Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ouais, avec mouvement fort actualité, à cause de cette annonce sur ça là, pour nous dire que. Gagné là, ailleurs, je ne rends pas la porte de presse, mais un gros tribunal citoyen qui était organisé, hein. Donc, tribunal ça, c'est pas un tribunal tout le monde, mais un tribunal citoyen, hein, un tribunal populaire, je ne rends pas le dire, côté que ce groupe n'a pas marché pour la vie, qui était organisé un procès, et côté que, eh bien, ils ont condamné. Et un ancien président d'un pays, Jovenel Moïse, selon sa qualité pour violation flagrante de la Constitution, anéantissement des institutions et violation des droits humains. Donc, ça m'arrête là, c'est que le dimanche prochain, la manifestation secteur protestant a fait, eh bien, le tribunal citoyen, il y a même publié là, un verdict du tribunal là, tribunal populaire ça, et verdict que. Et tribunal là, sous Jovenel Moïse, mais c'est la manifestation dimanche là que y a pas de déclat. De l'autre côté, il faut noter tout que les démocrates qui l'ont congrès américain, ils ont déposé là le projet de réforme de l'immigration, US Citizenship 2021, sur la réforme de l'immigration soutenue par le président américain Joe Biden. Projet de réforme, ça a prévu porte pour 11 millions. D'immigrants en situation migratoire irrégulière et qui habitent sur le territoire américain. Pour Jean Réforme, ça a couvert les gens qui vivent illégales aux États-Unis jusqu'à 14 janvier 2021. Et donc, il y a un statut légal temporaire qui permet d'appliquer pour la carte verte, la résidence, dans 5 ans. Et 3 ans plus tard, il y a capable d'appliquer pour citoyenneté. Pour Jean Réforme, ça a ouvert. Et côté que pour 700 000 jumeuses, c'est-à-dire que jeunes, si mon guitar est tout petit, qui revient au département de la meilleure et de jumeuses, il y a besoin là d'un total de 60 voix dans le Sénat pour pouvoir ça passer. Démocrates ont 50 voix et les républicains ont 50 voix. Donc les républicains ont à faire opposition et en même temps avec les démocrates modérés pour que le projet ça capable de l'huile. Et nous avons espéré, nous avons souhaité que le projet soit capable de passer dans le Congrès, pour le Sénat a voté, et pour permettre que 11 millions d'immigrants en situation migratoire irrégulière, et ceci jusqu'à 1er janvier 2021, hein, si on n'a pas de papier sur des bouts côté de la pays jusqu'à 1er janvier 2021, et on est capable de bénéficier du loi ça, du l'éducation. Donc, on pense que l'on a dit très bon, et nous avons encouragé que tout le monde ait des moyens pour faire les bureaux de députés qui desservent John Bonacayo, demandez-vous pour agir, les sénateurs, demandez-vous pour voter pour loi ça. Nous avons beaucoup de pieds pour nous rentrer dans le dossier politique du pays d'Haïti, et le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, dénoncé vendredi 19 février 2021, attaque qui fait contre l'indépendance de la justice en Haïti après le placement en détention d'un haut magistrat accusé de tentative de coup d'État. Juge de la Cour de cassation, Ivikel Cabrésil, ces événements ont encore érodé la séparation des pouvoirs en Haïti. Le commissariat à l'ONU très préoccupé par les dernières attaques contre l'indépendance de la justice en Haïti, d'autant plus que l'instabilité politique et institutionnelle qui règne actuellement dans le pays. Le commissariat a demandé l'autorité haïtienne pour veiller au respect du cadre juridique et institutionnel établi et demande au gouvernement et à l'opposition d'engager un dialogue constructif et ouvert à tous afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions et de résoudre l'impasse politique et institutionnelle actuelle. Enfin, de l'autre côté, toujours, il faut nous parler tout que gagner là, en même temps, l'association médicale haïtienne, AMH, ils ont exigé là la libération immédiate
de la docteure Marie-Antoinette Gauthier, ainsi que les 16 autres personnes illégalement détenues depuis le 7 février 2021. Arrestation docteur Marie-Antoinette Gauthier effectuée à une heure indue et donc en contradiction avec les prescrits de la Constitution. Association médicale haïtienne condamnée tout acte d'arrestation et de détention illégale et arbitraire dans l'irrespect des droits protégés par les lois de la République et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État haïtien. Dans tout état de droit, il est fait l'obligation de respecter la vie, la dignité et l'intégrité des personnes selon l'association médicale haïtienne. À côté de ça, et comme nous tout que l'information que nous rejoignons, c'est que l'ancien magistrat Van Rossen, Yuri Chevry, a demandé asile politique en pays en République dominicaine. Il est rentré sous territoire dominicain sans passeport ni visa, avec deux pistolets, avec permis et haïtien qu'il a mêlé. Il a gagné un montant de 12 775 gouttes. Et 1500 pesos dominicains et un billet de dollars américains, ça c'est quoi que un autre magistrat d'une ville frontalière qui était voyagé entre la parole à Saint-Marel. Deux policiers qui travaillent avec Yuri Chevry, c'est en possession 11 900 gouttes, un billet de dollars américains et puis 1860 gouttes, deuxième policier a été gagné. Soldats dominicains de l'eau est censé également deux pistolets calibre 9 mm marque russe, qui c'est les armes police nationale, 3 magazines, 9 capsules, 4 cartes d'identité haïtienne, yon carte de la police nationale, et puis yon permis pour capable transporter des armes à feu, et puis 7 téléphones portables et yon camionnette Nissan que M. Yote gagné la veille. Toujours, actualité à et la caille. Tant que gagné député Maxime Waté, demandé Joe Biden pour être capable d'appliquer la loi Magnitsky contre les fonctionnaires du régime de facto de Jovenel Moïse. Ça veut dire que là, que tout le monde qui l'administration Jovenel Moïse a recouru n'a aucun support. Même sanction sous collaborateur Jovenel Moïse, tant qu'on annule les visas américains, je les compte en banque de gagner, saisis bien, j'ai gagné, mettez interdiction sur eux. Madame Waté dit que tout fonctionnaire à l'administration Jovenel Moïse là, qui s'en fait la violation de la loi de la corruption, eh bien, c'est pour appliquer la loi Magnitsky contre eux, contre fonctionnaire régime de facto ça, qui est dans le pays d'Haïti. Je pense ça que Madame Maxime Waté s'en connaît. On va côté, et nous dit que là, il y a ancien collaborateur, non, France Exotus, c'est l'un de ceux qui a l'air même, il y a le collaborateur immédiat, Lucien Jura, et l'ancien à l'air même, nous avons mis par nous tous. Donc, France Exotus installé à la tête de la secrétaire d'État à la communication le vendredi 19 février 2021. Donc, ce ministre prenait la richesse et qui procédait à la dite installation. Donc, en tant que confrère, amis proches, hein, nous-mêmes, la Técloc culturelle, nous soutenons le secrétaire d'État, François Exotus, bonne chance, la nouvelle tâche là, et nous souhaitons tout que la va utiliser la position que nous avons pour défendre, droit journaliste, le pays, que la police a essayé de m'aspirer depuis quelques jours. Donc, nous espérons que France Exotus va prendre la responsabilité pour défendre droit tout contre la pression. Alors, dans d'autres que France Exotus a placé, et Jackson Alexis, lui-même, il y a eu beaucoup de temps, qui n'est pas arrivé assumer poste pour les raisons de santé. Donc, c'est ça qui fait que nous avons décidé, tout larguer et Jackson Alexis, et puis embaucher France Exotus, qui fait il y a un ancien présentateur dans la radio CLFM et donc qui passait dans une série de l'autre position tout, il devient porte-parole ULCC avec magistrat Gasson. Donc il devient une position comme directeur de communication à la primature. Donc finalement,
Franz Exarchus pour noter comme secrétaire d'État, hein, secrétaire d'État et à la communication, selon dernière décision que le gouvernement PHTK a pris. De l'autre côté, tantôt que mardi qui était 16 février là, et Madame Julie Tion, c'est secrétaire d'État adjoint, alors secrétaire adjoint par intérim, Bureau des Affaires Hémisphères Occidentales, Département d'État, fait écrire et là une série de déclarations sur compte Twitter. Il est alarmé par les actes autoritaires et antidémocratiques des révocations et avec domination unilatérale du juge de la Cour supérieure aux attaques contre les journalistes. Il parlait de respect des normes démocratiques qui vitalent et non négociables. Il dit que les États-Unis ne peuvent pas traiter à bouche fermée lorsque l'institution démocratique à ce de civil-là l'attaquent. Il condamne toute tentative pour saper la démocratie par la violence, avec la suppression des libertés civiques pour l'expiration. Il parle d'élections régulières qui très bonnes en démocratie, il est de toute partie pour engager l'organiser élections législatives qui en retard le plus vite que possible. L'élection libre et équitable, c'est le seul moyen pour bailler le peuple à droit pour choisir dirigeant. Mais après Mme Cheng qui fait déclaration ça, et il est sorti sous compte libre, eh bien, tout le monde a dit nous encadrer. Notre caractère, c'est de démagogue PHTK, avec un paquet de faux papiers poches PHTK qui le fait gymnastique. Le lieu le fait de tout passer comme victime. Naturellement, nous avons chita pour l'abri, pour l'abri, faux papiers poches d'ailleurs. Fois ça, c'est Patrick Crispin. Patrick Crispin, qui s'est conseiller Jovenel Moïse, il a réagi pour dire que Haïti n'a pas de leçon d'après ce voie de l'étranger. Qui il dit que qui quand même il va même doit injurer injurance dans la politique intérieure de PIA. Parce que Christian dit que déclaration Madame Julie Chagnon, qui tout le monde connaît que c'est un groupe amitié en département d'État, mais c'est une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Nous, oui, nous avons démarré ça, parce que c'est la première fois, Flatteur PHT Casayon. Il y a une série de positions nationalistes, tandis qu'on connaît pertinemment que le pays a une souveraineté. Patrick Crispin dit que ce n'est pas la communauté nationale qui a mis Jovenel Moïse au pouvoir, mais plutôt c'est le peuple haïtien qui a confiance en Jovenel Moïse. Mes amis, soyons sérieux. Nous, les mêmes noms, c'est vrai. La défense n'a pas comme nous avec, c'est vrai. Mais si la réunion, j'en ai hier. Parce que Patrick Crispin, lui-même, il répétait même bêtise, ministre Claude Joseph, qui répétait dans le jour passé, même bêtise tout que Renal Luberus qui voulait monter. Patrick Crispin n'a pas de bras garder tête dans le miroir. Parce que vous semblez tête coupée, dégoûtée avec 50 corps avec l'esclave PHTK. Ma contre à qui ça va qui? Le séjournellement, le département d'État a commencé à annuler visa américain, monde qui proche de Jovenel Moïse, pour voir comment on va réfléchir de ça et comment on va réagir. Donc, c'est comme ça, nous sommes obligés de prendre un petit temps pour être capable de parler avec Patrick Crispin, qui même c'est un conseiller Jovenel Moïse, mais nous voyons qui a fait un paquet de littératie tête en bas, après déclaration. Madame Julie Cheng fin fait sur le nom du département d'État. Entre temps, d'après tout que BINU, ce bureau des Nations Unies en Haïti, a déclaré que le pays d'Haïti a enregistré pour l'année 2021 234 cas de kidnapping. Parmi eux, 70 cas de septembre à décembre 2020, soit une augmentation soit une augmentation de 200%. Par rapport à l'année précédente. Donc, par rapport à l'année précédente, donc, l'ONU dit qu'il a été enregistré pour l'année 2019 78 cas de kidnapping en Haïti et entre 1er septembre 2020 pour le 31 janvier 2021, BINU recensé 215 cas d'enlèvement dans la capitale haïtienne.
alors dans le pays d'Haïti. À côté de ça, pendant que gagne le secteur protestant, qui a un gros marche pacifique contre la dictature en Haïti pour dimanche 28 février 2021, qui a pris lieu une journée nationale de mobilisation en faveur du respect de la Constitution, de l'État de droit et de la démocratie. Le secteur protestant demeure cohérent et fidèle à ses prises de position antérieures, à savoir le mandat de Jovenel Moïse, qui est expiré depuis le 7 février 2021. Le secteur protestant a déclaré que Jovenel Moïse, en violation grave à l'article 74-3, qui interdit toute prolongation de mandat présidentiel. Donc, commission protestante contre dictature créée pour intensifier la bataille pour la démocratie, a dénoncé toute forme de dictature qui est avalée en pays d'Haïti. Et bien, il a profité de tout que jeudi dimanche 21 février à la capitale là, il y a un gros mot d'ordre manifestation qui est lancé par Abel Loriston, côté qu'il va manifester contre dictature féroce qui est en pays, contre insécurité, kidnapping d'État, c'est ça, il fait connaître, et c'est quoi, il y a un méga manif jeudi, pour le journée dimanche 21 février 2021. Et puis pour nous finir, dans d'autres que Jovenel Moïse cité à comparaître par devant la justice pour usurpation de titre et de fonction. Léon délai de 3 jours, Jovenel Moïse a doué comparaître par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est cité pour usurpation de titre de fonction à la requête des sieurs Jean-Denis Léger, Joseph Manès Louis, Léon Georges, Jean-Renel Sénatus, Carlette de Matisse et Frère Couture. Donc, le titre usurpateur de titres et de fonctions est accolé à Jovenel Moïse à partir du 8 février, car ce dernier n'a plus le titre ni qualité pour occuper le palais national, pourvu que son mandat ait pris fin suivant l'article 134-2 de la Constitution haïtienne amendée. Dire en conséquence que le prévenu Jovenel Moïse est coupable du délit de suspension de titre et de fonction. Voilà, c'est ça. Et l'empreinte que le groupe d'avocats déposé devant le tribunal correctionnel, côté que il y a le Jovenel Moïse devant la justice. On y a Bobby, on garde pour être on y a qui parle président dans l'audience ça. Bon. C'est gardé pour nous garder. Et ça, tu vas faire. Alors, jugeons, c'est pas ça. Bon, jugeons. Chaque juge que, eh bien, que, il va remettre dossier, le juge de loi dit carrément le même. C'est pas compétent. C'est pas compétent pour ça. Alors, c'est ça. Parce que c'est pas ça qui fait mon penser que monsieur ça, il a plus de condado sur l'autre affaire, il n'a pas pu jeter. Le pays a passé à accent grave, acheté. Donc c'est pour ça, situation lui-même lui présenter. Et puis, avant nous rentrer avec notre dossier, on a de tout que, il est sorti dimanche 14 février, pour arriver jeudi 18 février là, il y a un total de 14 kidnappings qui fait la capitale là. 14 kidnappings, des professeurs Abias Edumé, qui 43 ans, qui sont à la pharmacie, à la pharmacie, et que vous voulez à la velle. Et puis tout gain avocat Nacha Saint-Fleur, que m'a dit qu'il t'appelle dans le quartier Mabion, mercredi 17 février. Et juste une heure de là, il vous rejoint côté que m'a dit mettez
l'achat Sinclair. Bon, et on parlait de dossier Saint-Domingue non, côté Yuri Chevry, ouais. C'est bon, monsieur, ancien magistrat, Port-au-Prince. Alors, questionner, m'a questionné, c'est, il était venu avec mon temps, qui était joint sur monsieur, d'attendre un journaliste, de boîte, à Yves-Marie Chanel, qui t'a dit au premier départ que monsieur a gagné 30 millions de pesos et équivalents, amen, qui équivaut à 500 000 dollars US. Qu'on y a, il aurait visé la baisse. On est un droit suspect. Parce que si M. est avec 500 000 dollars, et puis c'est M. Dominique au point robla, qu'on y a, si il a fait remettre, il n'y a pas de gagner, il n'y a pas de remettre là. Je suis sûr. C'est que nous rappelons que le Yves-Marie Chanel tapé et ce reportage là, il n'est pas fin rassuré. Sous montant tellement, c'est-à-dire qu'il était seulement peut-être bah, un montant. Ça n'a pas été une bonne garantie sur le montant qu'il était bâillé. Bonne garantie, n'est pas Bobby. Nous connaissons gagné un major, si je ne me bats pas, ministre, à l'époque, qui était fort traversé. Avec 700 000, et puis Négrité dit c'est 70 000. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est même joué de ça qu'a joué là. Parce que le militaire dominicain, on ne peut pas connaître, monsieur, ça ne sera pas assuré. Ouais. Du moins que Gombagay qui traverse l'autre bois. Alors, il faut que les chiffres sont là, là c'est les chiffres que le gouvernement dominicain a confirmé. Oui. Le gouvernement, lui-même, il a dit que pour retirer toute soupçon qui t'a parlé de combien de millions de gouttes. Combien de millions de pesos, combien de milliers de gouttes que M. Adégan s'en va venir. Donc, il y a même eu le gouvernement à porter explication sur ça que le gouvernement nommé Yuri Chevry. Qui est-ce que vous avez suspect? Il va être suspect, Bobby. Parce que pour ne pas traverser l'autre bois, et puis il y a quelques changes dans la portion, et M. Dominique Ayo nous connaît que. Il y a habitué à faire ça déjà. Il y a habitué à faire ça déjà. Bon, les combattants. Et puis, faire connaître le combat. Il pas de connaître. Il fait ça, on sait de petits machins, tout. Et aussi, on dit qu'on bagaille. Il diminue la valeur tout de suite. Pour l'air, pour dit remettre. Parce que il t'a même posé des questions. Si comme ça, que M. Dominique, on peut pas parler. Il y a qui va en prison, Dominique. Parce que son pays, il n'y a pas d'Haïti qui a corruption. Il dit Dominicain, où était chaque météo. Surtout pour le militaire Dominicain. Donc, moi, je doute, et c'est une crasse comme ça seulement, M. Tegensouyo. Et je crois que Bagala, on dit un peu grave que ça. Bon, en tout cas, Napton couler la information qui a sorti par rapport à la chancellerie dominicaine, peut-être 10 semaines prochaines, qui est capable d'avoir une position qui est plus claire. Peut-être nous connaissons exactement comment le dossier Yuri Chevry a lui-même lié. Mais en parlant de tantôt, il y a une petite critique qui gagne, c'est que c'est là que les responsables de l'organisation de l'OAGM dans le pays a voulu bailler chancelier dominicain pour demander protection, puis oui, je oui. Tandis que tout le monde connaît, peut-être c'est pas mal que la bonne personne monde, que la DCPJ dit qu'il a gagné, il a décédé un mandat contre oui, je oui. Est-ce que les responsables de l'OAGM, il y a une enquête pour connaître, est-ce que réellement, ça a reproché, Yuri Chevry, c'est vrai, oui, ou bien, est-ce que c'est pantalon sous mesure que le gouvernement a émetté sous Chevry, nous ne connaissons pas. Donc, nous pensons que, avant même que le responsable de la justice a décrit, pour courir par devant, pour demander protection, Yuri Chevry, eh bien, il y a une propre enquête parle, enquête de terrain que le menait, avant même que le décret va arriver à un point d'arrêt. Eh bien, l'espérance, ça c'est toujours une organisation, ça. Nous croyons que tu as dirigé une organisation dans le pays d'Haïti. C'est ça. C'est une organisation ça, qui concourt à l'abord des plaintes là, qui s'agit de ça encore. Parce que bien sûr, c'est pas un parti politique, son bail droits humains, ça c'est droit,
nous va connaître et ministre affaires étrangères qui peut interférer dans question ça là si au capable et qui sa organisation droits humains gagner normalement des protection pour citoyen haïtien qui fait ça gagner qui pourra ça gagner tout qui sont organisation ça y est c'est lui même pour ta ministre actuellement on a connu côté de passer pour l'entrée dans Cocoya parce que on fait espérance son nèg qui gagne droit langue supérieure définitivement droit langue supérieure inférieure tout Haïti en pile bagage qui a fait ça pays ça ou pas à reprendre rien ça qu'a passé alors cela est prôné. Selon le nous avons fait déjà votre architecte, les femmes de pays, des tribunaux citoyens qui étaient organisés dans votre presse, au tribunal populaire. Mais je n'ai pas le 19 là, et c'est pour la marché pour la vie qui était fait tribunal ça. Bon, c'est vrai, nous-mêmes, c'est toute période du radio, puis c'est un tribunal comme ça, qui est arrivé gagner, pour faire un procès comme ça. Et bon, bien content qu'il y a ramassé des années plus tard, mais ce n'est pas nouveau pour nous-mêmes, bon, ici. Alors, quand nous tout que le tribunal populaire, ça, il y a un groupe de marché pour la vie, et bien, il y a condamné, alors, il faut qu'on condamne Jovenel Moïse, mais il dit que chaque accusation, c'est violation flagrante de la Constitution, anéantissement des institutions, mais violation des droits humains. Donc, monsieur. Et monsieur là, il y a le tribunal populaire à taille médicée, hein, la taille médicée dimanche, la manifestation 29 février, hein, donc c'est là que le tribunal a taille médicée, et je pense que le tribunal a taille médicée, je vais vous faire un peu quand même pour le prince pour madame. Est-ce qu'on serait chanté par juste là, dans le tribunal populaire là, c'est là que nous allons aller voir. Bon, on va changer de chanteur. Ah, c'est notre tribunal populaire. C'est là nous bail rendez-vous. Ça veut dire l'idée ça, son idée qui pas nouveau pour Miami. Parce que nous-mêmes, bon. C'était avec Jean Dubaï, ça a pu nous deviner là. Justement, naturellement, et nous pas quoi ça, c'est breeding régime du Alia. Les par exemple, nous avons pris l'idée ça. Et nous connaissons tout, bon, hey. Et Valène qui a armé, qui n'a payé ça, bon, et pour justice, là, t'as sous de pied, vraiment, qui pouta vraiment bail, ça y a pas de là. Bon, amusez la galerie, c'est ça, Mouilène, amusez la galerie. Bon, voilà. Et puis, avant nous aller tout, architecte, pour j'allais de suite, je dis, et nous croyons que, cette rue se passe là, et pas de coup d'État, hein, pas de coup d'État. Ça qui te gagné réellement, nous pas le faire, nous allons le venir pour. Te gagné un début d'agitation que l'opposition t'a géré, qui vient passer à un complot, vient bientôt une mission marché pressé par Patounet, nous avons eu le Patounet monté comme président Sénat, ils vont seul marché pressé devant lui, il est en train de lever la faute et la cavalerie de tomber la main. Bon, je parle d'un coup d'État alors que Jean-Noël les a là. Naturellement, coup d'État, c'est une révolution du palais. C'est une révolution dans le palais pour l'État. Mais est-ce que bah, il est crédible, enregistrement est crédible, c'est, est-ce que c'est voir mon ouvré? Si c'est voir mon ouvré, c'est un complot mondial. La technologie a tellement avancé, et un grand professeur en communication, hein. Ah oui. Peut-être qu'on peut le monde qui va contre ça, hein? On peut le monde qui va contre la chute à notre délit. Et à chute à quelques mois, c'est lui, je peux dire que son docteur qui est en communication. Et, du coup, on est, ça n'a pas l'air là. Conseil de logiciel qui est disponible là, hein? Eh bien, on est là seulement, on fait tout seul au micro là. Et puis, on risque de et puis, on fait sauver avec tous ces affaires là, la bonne voile. Naturel qui a perdu toute sa vie de Poutine. Rien de super, rien de secret, il n'y a que des transformations. Voilà, valable. Et surtout pour les là, Canadiens ont gagné un logiciel qui est libre,
Libret là, il même dit tellement travail très bien. Par contre, c'est pas la vérité, même monsieur a utilisé dans le pays d'Haïti. Son bagage peut-être une fraction de seconde là, vous pouvez monter même un discours. Même si vous avez même voir François Duvalier, la baoulé. Vous pouvez voir Raoul Cédras, la baoulé. Et où est-ce que vous avez Boniface Alexandre, Libret à baoul, sans problème. Donc, alors, à savoir qu'on y a, Bobby, à savoir qu'on y a, est-ce que le monde que vous accusez, c'est vrai, voilà, les vous questionnez, vous va le dire, non, c'est pas vrai, ça va qu'on y va, il n'est que d'attendre. Bon, voilà, parce que la technologie a tellement bien préparé, ça dit que... Même si bien préparé, Bobby, il y a une façon pour faire expertise sur les vous connaissez. Non, alors, vous ne pouvez pas gagner, c'est que il est là, même j'ai gagné une fausse nouvelle, c'est ça dans le fake news là, mais il est là, une fausse voix tout. Mais même appareil ça, même logiciel ça là tout, logiciel ça là, on mettait libre de la souris, il doit dire que c'est une voix combinaison que lié, c'est pas une voix naturellement là. Oui, parce que bien doua, bien d'autre là. Oui. Moi, dans comme d'ado, comme ça, il faut. Pour qu'à déterminer. Moi qui expertise, j'ai pas même besoin d'aller. Pas idée. Quel que soit software qui gagne, c'est bon monde d'elle. Ok? Ouais. C'est pas appareil là, c'est pas les fabricants. Hein? C'est le monde qui fabrique d'elle. Étant donné que toute œuvre humaine est imparfaite, du moins dans comme d'ado, quoi, pour la donne, le monde qui connaît Abdou carrément, ça a son faux. Ou ça a son vrai. Non, c'est clair. Donc, nous avons là, l'envoi que tu gagnes, qu'en pire on commence à habituer avec, c'est Siri, avec Alexa. Maintenant, donc Siri avec Alexa, c'est un voix artificielle que lié, qui sonne toujours comme des voix d'ordinateur. Oui. En pire on ne peut pas connaître. Siri, Alexa, c'est un voix artificielle qui sonne toujours comme des voix d'ordinateur. Donc, non, même quand on parle au doué, donc là, il n'est pas trop difficile pour démasquer ça qu'il faut avec le sac. Oui, c'est ça. Ok. Bon, c'est donc plaisir de gagner nous à Soya et Bobby. Et définitivement... Bon, c'est ça. Et puis, à Chicago, nous allons aller gagner tout du côté du Canada, bien au moins, là, le scandale de Marie-Louise Célestin. C'est madame Rony Célestin qui, mon question là, on a acheté là, de coûter 4,25 millions de dollars au bord de l'eau à la vente, Montréal. Et qu'il y a le Canada là, qui m'a dit, environ de là, pour le gouvernement canadien, a dû enquêter sur l'origine de l'argent qu'a acheté Kaisa. Et qu'il y a le gouvernement haïtien lui-même, par exemple, de parler avec le LCC. Il y a l'ancien d'enquête sur un chat du Lazare. Quand il y a dans le passé, comment on a fait le conseil? Alors, femme, donc, c'est peut-être un moyen pour faire mon nom. Et ULCC vient d'entrer dans le magasin. Et puis, c'est que si le gouvernement canadien décide de vous enquêter tout bon, eh bien, l'ancien d'enquête, sentiment. Et puis, d'un coup, je pour nous parler, ça, on a tout à l'heure. Est-ce que intérêt, Bobby? Est-ce que intérêt? Et tout l'autre monde qui t'a besoin d'une fois investissement l'autre bois, est-ce que l'intérêt économique pays a servi à ça? Parce que, et, pas qu'à faire amis dans la question ça. Il n'y a que des intérêts. Non, faut comprendre. C'est que, il y a une bagarre qui poussait que, je veux dire, que la presse canadienne lançait la question ça. Je pense que le pays d'Haïti a traversé un moment, son moment dur dans l'histoire. Hein? Côté que, je veux dire là, tout ça pas qu'on fait dans le temps, non, c'est ça qu'on fait dans le pays. Donc, il y a deux pays qui sont des pays pauvriers. Oui. Maintenant, il y a que tout le monde qui est dans le pays à vivre à 2 dollars combien par jour? 2 dollars 25 par jour, sinon, on va tromper nous. Et là, que y a un anti-haïtien. Oui. Un anti-haïtien. Anti-haïtien. Ouais. Anti-haïtien. Ouais. Ouais, on fait un calque de gros investissement pour ça dans le pays étranger. Là, on peut y compter que c'est foutre de porc, quand tu vas avec toi,
population, on aurait pu acheter un caille pour 4,25 millions au bord de l'eau, payer cash. Mais quittez me questionner, Bobby, dans la question ça. Haïti, est-ce que son pays pauvre? Même s'il son pays pauvre, est-ce que tout le monde l'a donné pauvre? Bon discrimination qu'il a, il le reconnaît parce que son pays pauvre là, on n'est pas acheté en caille 10 millions de dollars. Le pays n'a pas pauvre, number one. Et même si le pays n'a pas pauvre, t'es pauvre, ok? On s'y est tête graine, t'as qu'à acheter en caille. Et ça, ouais. L'autre aspect à tout, l'autre aspect à c'est, vous voulez diminuer en monde et puis vous voulez diminuer le pays à tout là. Ok, dans la question ça. C'est son aspect qui est très important. Parce que dans tout ça, il y a fait pour un bail de son pays pauvre. C'est comme dans la vie, tout le monde dans le pays assez pauvre. Ok? Donc, en tout cas, ça, bon, c'est comme la vie pour enquête faite dans la question ça. Parce que de temps en temps, il n'y a pas abîmé Haïti et bien de son pays pauvre. Et puis, il y a là, il y a même. Il y a pas exploité le pays. Voilà, nous sommes là pour enquête sérieux. Et nous n'avons pas besoin d'enquête avec l'ULCC. Mais nous voulons que si le gouvernement canadien veut aider le pays d'Haïti, que nous-mêmes nous constatons une enquête et puis sortir le résultat de ça. On risque de marcher sous propre intérêt par eux. Parce que si on cherche un investissement, il n'y a pas fait ça pour eux. Ok, ça veut dire l'autre monde qui t'a conti comme là, qui a pris un acheton à 10 millions de dollars, il va réfléchir, garde ça Canada fait. Parce que c'est intérêt Canada qu'en jeu là, s'il a l'entrée dans la question ça. Vous pouvez se faire question ça. Et puis tout simplement que le pays a des gars, pour dire parce que le pays a pas, pas qu'il y a un monde qui a comme ça la donne. Nonobstant que nous devons questionner origine, source, avec source, côté comme la souci, mais. C'est pas bon Mumbai pour Haïti, vous pensez dans comme d'ado que oui son pays pauvre, tout le monde pauvre là-dedans. Je suis que okay. Si t'es con l'autre non, dans coup brut, yo matseigno, yo va penser comme ça. Ouais, mais et puis définitivement, bon, je suis capable pas qu'à expliquer quand il fait comme lui, d'accord, mais et ça va me dire que l'obligé, tout le monde obligé pauvre dans le pays parce que yo dit que pays à son pays pauvre. Alors que moi-même avec vous, nous connaissons Haïti, c'est pas un pays pauvre lié. C'est un pays qui est inexploré et inexploité économiquement et financièrement. Ok? Et puis, son pays tout, corruption, permis là-dedans. Oui, c'est vrai. Commission, bon, corruption de l'autre côté. Qui me dit qu'on ça, pas un pays dans le Caraïbe là qui a battu la République Dominicaine dans la corruption. Ok? Mais, c'est pas là, ça, comme d'autres comme ça. On quitte de comme d'un déporté étranger une bêtise avec nous pour faire nous connaître que son pays pauvre. Donc depuis c'est nous haïtiens qui associons un bagage, c'est pauvre lié tout. Parce que faut faire bien attention à la question ça, parce que bien de l'en a pas bien les pays à pauvre, nous mêmes ça nous pas connaître que qu'on série de sens avec dehors qui gagne intérêt et après être nous pour être dans la boue. Voilà, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.